je ne nous attendais pas si tôt. Notre état-major a réussi à nous envoyer quelqu'un. Je suis venu à pied. Tous les véhicules sont sur intervention. Le responsable de la caserne, en tant que personnel, a été obligé de rappeler les réservistes. Faut croiser les doigts. Pour le moment, l'orage s'est un peu calmé. Mais la météo, on l'annonce pour cette nuit. Ah oui, on voudra en faire de drôle quand même. Oh. C'est notre métier, hein. Nous avons l'habitude. Hein. Ah. Manini, ce sont les secours. Ah bah oui, j'ai vu, ce n'est pas l'armée du salut. Un problème, ma chérie? Oh non, presque rien. Ça fait bientôt une heure que je suis dans cette position, et pendant ce temps-là, monsieur se prélasse dans la loge de la concierge. Mais écoute, Manini, c'est madame Bignol qui... Pouvez-vous me dire où sont vos fameuses souris? Vous n'allez quand même pas marcher avec vos gros godillots sur mon tapis, et vous allez saloper. Le travail, c'est plus pratique. Ah oh, ben alors là, n'y comptez pas. Vous retirez vos bottes. Mais madame... Maman? Monsieur le pompier, mon mari est directeur du cabinet du ministre de l'écologie. Et à ce titre... Oui, Marie, mais quelle importance. Pardon, monsieur, vous êtes directeur du cabinet du ministre de l'écologie? Oui, oui, non, mais... Certes, mais bon, bon. Qui? Je te préviens, s'il ne retire pas ses bottes, je... Incroyable, c'est bien la première fois. Bon, puisque madame insiste... Il y en a aussi dans votre caserne. Si les chaussettes sont trouées, ce n'est pas à fréquenter les salons de thé, c'est en travaillant. Celle-là, tu n'as pas volé, mon chéri. Bon, elles sont où vos bestioles? Sous le